Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu des faux trilobites au Maroc avec un exemple que voici. Donc ce trilobite n'est pas complètement faux, il y a du parti faux et du parti vrai, et vous allez comprendre. Donc ce fossile, c'est un cadeau que j'ai eu il y a un certain nombre d'années. Quand je l'ai eu, je savais qu'il y a eu que le fossile n'était pas complètement vrai, notamment ici, là, les pointes. Pour moi, ça a été sculpté. Et donc je me suis douté que dans le fossile, il y avait des parties qui ont été sculptées. Mais il y avait des parties du fossile qui ont l'air quand même vraies. En fait, donc ça, souvent, c'est des fossiles qui sont assez abîmés, où il y a des parties de vrais fossiles. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rajouter des parties sculptées pour faire un fossile complet et un peu plus joli, plus présentable. Mais il y a du faux. Donc, dans la vidéo de mes faux sur les faux fossiles, vous avez parlé d'une technique à utiliser, c'est l'acétone. Donc là, j'ai déjà utilisé de l'acétone. Je vais vous mettre une photo de avant de l'utilisation de l'acétone pour comprendre comment était le fossile à l'origine, quand je l'ai eu, moi. Mais là, j'ai déjà utilisé l'acétone. Et en fait, avec l'acétone, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des nettes différences dans le trilobite. Par exemple, ici et ici, on voit que c'est pas du tout pareil. Et en fait, l'acétone, ça a attaqué en fait, les éléments chimiques, la matière qu'ils ont utilisée pour reconstituer le fossile. Donc là, il est parti fausse. Et en fait, ça a attaqué, ce qui fait cette partie un peu plus claire. Parce que tout ça, en fait, ça a été rajouté. En fait, tout ce morceau-là, du céphalon, ça a été rajouté. Et pareil, vous avez là, tout ça a été rajouté. Et là aussi, il y a probablement toute cette partie qui a été rajoutée. En fait, là, comme ça se remarque un peu, mais ça se remarque beaucoup mieux quand on voit l'acétone. Donc, je vous montre un peu comme ça avant, et après, je vous mets de l'acétone dessus, vous allez vite comprendre. Donc, en fait, le trilobite, ce qu'il y a de vrai dans le trilobite, alors là, ça va être cette partie-là. Il y a une partie qui va être, là, je pense, celle du vrai. Là, ils ont rajouté du faux. Là, tout ça, c'est faux. Là, vous avez du vrai. Juste ce morceau-là, hein, pas plus. Tout ça va être faux. Et là, il va avoir un peu de faux. Et là, ils ont reconstitué sur le côté pour faire les pointes. Donc, au final, on peut remarquer qu'il n'y a pas grand-chose de vrai dans le trilobite. Je pense que si tout ça et ça, c'est vrai, le reste, c'est faux. Donc, on a même pas, je pense qu'il n'y a même pas 50% du trilobite qui est vrai. Il y a plus de 50% du trilobite qui a été reconstitué. Et donc, en regardant sur Internet, j'ai remarqué que beaucoup de trilobites comme ça, donc dans les genres Andalusiana et Cambro Palace, si je me trompe pas, sont en fait en partie reconstitués, sont en partie faux en fait. Il y a du vrai fossile, donc quand ils découvrent sur le gisement, il y a du vrai fossile, il y a une partie vraie, mais le fossile est tellement abîmé que au final, il n'est pas très présentable. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter du faux pour tout simplement avoir un fossile plus présentable. Et beaucoup de gens se font avoir en pensant que c'est du vrai. Ou en tout cas, le fossile est complet. Ce qui est totalement faux. Et apparemment, de ce que j'ai vu aussi, il est très difficile d'avoir un fossile de trilobite comme ça, complètement vrai, sans retouche. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retouches sur ces fossiles. Donc je vous ai parlé de l'acétone, et on va faire la petite expérience, vous allez vite comprendre. Donc je vais mettre un cépal en dessous pour pas que ça en mette trop partout. Et je vais récupérer l'acétone. Donc. Ah, je vais y aller franco, hein. Clairement, là, c'est pour vous montrer. Hop, là, voilà. Là, elle est bien mouillée. Et là, je pense que tout de suite, ça se remarque le faux et le vrai. Vous voyez? Là, on voit vraiment là. Donc, vous voyez, tout ça a été rajouté. Ça a été rajouté. Ça a été rajouté. Et en gros, on n'a pas grand-chose de vrai. Vous voyez à quel point le fossile a été complètement reconstitué et qu'il n'y a pas grand-chose au final de vrai sur ce fossile. Et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de fossiles vendus dans ces genres-là. Il y a beaucoup de retouches comme ça et en fait au final on a au final pas grand-chose du vrai fossile. Donc voilà, donc ce fossile c'est quand même un bon cas d'école pour montrer ce qui peut être fait en faux. Parce que là, à force de mettre de l'acétone, ça se remarque bien la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, j'ai utilisé l'acétone, c'est pour voir à quel point mon fossile a été retouché. Parce que je savais que là, c'était faux. Là, j'avais deviné que c'était faux aussi. Mais après, pour le reste, j'étais pas forcément sûr. Là, je pensais qu'il y avait peut-être c'était faux. Là aussi, mais j'étais pas forcément sûr.
Contrairement à là où là où j'étais vraiment sûr que ça a été rajouté. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté directement de l'acétone. Et comme ça, vous voyez qu'avec l'acétone, on remarque tout de suite la différence entre le vrai et le faux. Donc là, j'ai fait un peu une méthode, on va dire, assez expéditive pour vraiment. C'est un cas d'école pour vraiment vous montrer. Mais vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est pas forcément renverser l'acétone comme un barbare, comme ce que j'ai fait, hein. Il y a des méthodes plus simples. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est verser sur un petit morceau de... Hop. Vous versez sur un petit morceau et vous appliquez légèrement comme ça. Sur un tout petit morceau, en fait, vous appliquez et vous regardez ce que ça donne. Et si vous voyez que ça part comme ça et que vous allez pas mal avoir de couleurs comme ça sur le truc, vous allez au final vous rendre compte que le fossile est en partie faux. Et comme ça, vous pouvez appliquer sur les petites parties que vous voulez pour voir si c'est une partie vraie ou fausse. Et pour voir ce qu'il y a de vrai dans vos trilobites. Vous voyez la pointe là? Il reste quasiment plus rien avec l'acétone. Donc après, je ne sais pas, peut-être que je vais essayer de traiter tout à l'acétone et enlever tout ce qui est faux pour voir ce qui reste du trilobite. Peut-être ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça et après, on va voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà, ça c'était un exemple pour vous montrer ce qui est fait dans le faux en trilobits. Ça c'est vraiment un cas d'école, il y en a beaucoup sur internet qui sont vendus dans ce genre-là en étant complet. Il y en a encore des pires parce que moi j'en ai des parties où c'est vrai. Au niveau du trilobit, là c'est du vrai trilobit, hein. Il y a une base où il y a du vrai fossile et c'est juste reconstitué pour faire un fossile plus présentable. Mais il y a des fossiles ou de trilobites qui sont complètement faux. Ils prennent un morceau de roche, ils le sculptent pour l'avoir dans la forme d'un trilobite. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'achète. Parce que j'en vois des ventes. Ouais. Donc voilà, donc faites très attention quand vous achetez des trilobites. Encore une fois, hein. Si vous êtes intéressé par l'achat des trilobites parce que ça vient beaucoup du Maroc, eh bien faites très attention parce que vous allez sans doute tomber sur ce genre de cas. En partie reconstituée, donc il faut faire très attention à ce que vous allez acheter. Et personnellement, je vous conseille d'acheter, ne pas acheter sur internet, mais d'acheter en face. D'acheter, de voir le fossile en vrai, pour comme ça permet de facilement voir s'il y a du faux ou du vrai. Et je vous dis de faire attention à ce que vous achetez sur internet. Donc c'est une petite vidéo comme ça pour vous présenter un faux fossile. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.